Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en tout cas. Bon, je suis encore moche. Tant pis. Bon, bah sinon, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Moi ça va, le match était un peu plus intéressant qu'hier. Hein. Bon, on peut dire qu'après c'était peut-être très serré, etc., etc. Bon, évidemment aussi, celui d'hier soir s'est joué surtout en première mi-temps, mais la deuxième n'était pas non plus à bouder, donc c'était très bien, demi-finale aller de Champions League. Ce soir, c'est Europa League et Conference League, donc bon, bah, en attendant, nous, on va jouer à la suite de nos aventures sur Gran Turismo 7, PS4, évidemment, toujours. Twitter, Discord, YouTube, comme d'habitude, le chat, n'hésitez surtout pas, évidemment, c'est fait pour. Bon, bah. Tant qu'à faire, je pense qu'on va tout de suite passer sur la bonne scène déjà pour commencer. Ouh! Alors, SNES, j'en ai plus besoin. Le son du jeu, ça, j'en ai plus besoin. C'est parti. Bon, cette fois, la manette est bien chargée, donc normalement, on devrait pas être emmerdé par ça. Bon, hier, on avait terminé le live par la première course. Un petit peu folklorique de la collection des BMW M3 à Ouroboros. Là, on va faire les deux autres courses. Et puis, ben, faire pas mal de courses, je pense. Aujourd'hui, on devrait bien avancer. Allez, on y va. Alors. J'espère qu'on n'aura pas trop de surprises, encore une fois. Bah on va aller en Allemagne sur le Nürburgring. Ouais, bon, quand même un petit peu surpris quelque part par le match de l'Inter. Franchement, moi je pensais que le Milan allait faire la différence, mais ils se sont fait littéralement en 45 minutes manger. Ils n'ont rien pu faire. Et ils ont passé toute la deuxième période à essayer au moins de recoller à 2-1, mais impossible. L'Inter a très bien défendu. Bon, l'arbitrage, ça va. Bon, après, on peut être pour le pénalty ou contre, les deux se valent, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, bon, bah, il y a quand même un match retour à faire, hein, donc on verra. Bon, après, pour City Real, je me prononce pas. Hein. Ça va être un gros match, hein, certainement. Mais on verra pour le deuxième. Est-ce que le Milan saura reprendre un petit peu le dessus sur l'Inter? Alors par contre, ça c'est le problème de mon casque, des fois c'est trop fort, des fois c'est trop faible. Alors oui, j'ai choisi cette déco-là pour la voiture, alors je sais plus le nom du team hein, pour les. Et pourtant bon j'adore hein, le DTM. Mais là, comme ça, je ferai pas le malin, je vais pas sortir le nom comme ça. Je connais évidemment, comme tout le monde, le Schnitzer et tout ça, mais là, celui-là, c'est juste que le skin comme ça, c'était bon, avec je pense 2-3 sponsors différents et une bricole, peut-être la couleur, pas forcément du même ton, mais c'était un peu le skin des Arrows à une certaine époque, il y a très longtemps. Alors, je parle des arroses des années 80, hein, attention. J'ai l'impression qu'ils veulent faire pluie sur tous les circuits à chaque fois, sur les trois. J'ai l'impression, hein. Parce que vu le temps qu'il fait. Donc je vais voilà, chercher ça au cas où s'il y a besoin.
Ouais, je la prends comment la chicane, merci. Eh ben. Alors, donc on a obtenu la M3 de 2007. Voilà, ça c'est fait. Il ne reste plus que la troisième et dernière de ce livre collection M3. Donc en Croatie sur Dragon Tail apparemment. Trail. Non, oui, non, je sais pas. Trail, oui. Version jardin. Ok, pourquoi pas? Ah oui, ce tracé là. Oh, ça a l'air sympa.
Bon, au moins celle-là se fait sous le sec tout le long. Bien. Allez, la connexion BM, c'est fait. Et voilà, la M3 2003. Oh. Ah, niveau 17, vous savez ce que ça veut dire. Et voilà, mission autant en porte le vent. Alors, Corfi. Ah, oh, ils ont mis ça à la Northlife. Un tableau de plus. Félicitations, vous avez les 3 voitures. Et un ticket 3 étoiles. PM a connu de nombreux succès en touring avec des modèles inspirés de ses voitures de masse. C'est la division sport qui gère au début les activités sportives du constructeur. Puis en 72, une filiale vit le jour BMW Motorsport. Oui. Les nouveaux spécialistes techniques développent des moteurs de formule et de touring. Ouais, surtout une division Megatron, un préparateur machin, bon c'est pas grave. Et dans le nom fut réduit à BMW M, il est toujours d'actualité. Oui, on l'appelle toujours BMW Motorsport, mais c'est pas grave. La série BMW M que vous voyez regroupe des modèles d'usine de BMW M. Oui. Ces voitures se distinguent toutefois des autres par leur puissance et leur popularité. Ouais. La première génération M3 lancée en 85 servit de base au touring car du constructeur. Conçue dès l'origine comme voiture de course, c'est une légende parmi les M3. Ouais, prochain menu, Alfa Romeo. Mais d'abord,
Mission! Ouais! Allez, cachons notre joie. Bon, d'abord le ticket aux 3 étoiles. Le million, le million, le million, le million. Allez! Le gros tas, le gros tas, le gros tas, le gros tas. Merde, la pièce pourrie. Non, le plus petit tas. Toujours. Voilà, c'est pénible. Alors, mission. Porte le vent. Dépassement classe 2. À 5 croix. Avec une Audi R8. Ouais, pardon. Les systèmes de quattro, t'en fais quoi? Ouais, on doit doubler des GT4, quoi. Ben ouais, mais j'ai pas le véhicule en main, t'es drôle toi! Pénible. Allez, zou. Ah, bah la voilà, la deuxième endurance. Combat contre l'usure pneumatique.
On aura le droit à deux types de pneus différents. Génial. Alors, il faut. Ah! Pneus course cette fois. Une groupe 3. Ok. Ah! Bah, c'est pratique comme. Oh, bah, alors ça alors. Vraiment, quel hasard. Hein. Quel hasard, mais total. Hein. Donc là, moi, j'ai les courses dures, d'accord. Ah! Et là, on aura le droit à l'intermédiaire et pluie. Donc, il faut que je les achète. Voilà. Par contre, High Speed Ring. Donc là, on a 738,33. High Speed Ring. 739. 39,5. 39. Ah, ça baisse. Ouais, 739,56, ok. Voilà. Ensuite ça non, touche pas. Ça on touche. Touche pas. Ok, c'est bon. C'est parti. Changer comme on peut. Et bah allons-y, même stratégie que la dernière fois. D'appui à l'arrière, du coup elle s'assoit moins à l'arrière. Thank you.
C'est normal, vous inquiétez pas, parce que comme j'ai l'appui faible à l'arrière. Elle a plus arrivé. Putain, la pluie est vraiment bien faite, genre là t'as la pluie violente là. Ils sont ressortis avec des pneus secs les cons. Eh oui. Ça sent mauvais cette histoire. Et tu me remplis le car... tu me remplis la carcasse. Il y en a, putain, regardez, il y en a, ils s'arrêtent, ils mettent le médium. Oh non! Et il y en a, ils mettent l'inter. Moi, je mets directement au plus. Allez, remplis-moi ça à fond. Let's go. On va voir 100 avec les plumes plus que ça donne. Ça a l'air de tenir. Et c'est jouable. Bien.
J'ose pas accélérer, c'est triste, mais je peux en fait. Ils rentrent tous. Par contre, les freins. C'est. Non, mais c'est très bien fait. Le freinage sous la pluie. Il est vraiment. Non, bravo. Bravo, Gran Turismo. Putain. Et pourtant, j'ai l'ABS à fond. Ah mais c'est trop tard, hein. Celui qui met en paix, c'est déjà trop tard, moi. Hop là je ressors devant vous et oui. Oh là là, hey, la grosse pluie, hein. Incroyable.
Lui, il économise pas son essence. Pas bien. Arrête, s'il te plaît. Désolé, c'était le chien qu'il fallait faire sortir de la pièce parce qu'elle est en train de s'énerver vu qu'elle doit pas se gratter et c'est pas trop bon. Donc, hop. Pour se concentrer, c'est pratique. Allez, on y retourne.
Ils y vont combien de fois au stand, c'est bugué le truc? Ah, après, s'ils font pas d'économie d'essence. Donc là ça va sécher, on est sûr. Ok, on va attendre un max. Comme ça, de toute façon là les pneus pluie vont se détruire. Et on va mettre les slicks. Là ils redescendent en inter. Ou alors j'ai vu des pneus tendres peut-être. Inter c'est orange. J'ai des petits soucis de couleur des fois, mais rien de grave, hein, juste les nuances. Normalement c'est orange. Là c'était rouge, donc là c'est même les pneus tendres slick, c'est trop tôt. Il y en a qui remettent des pneus plus, là c'est un peu bugué quand même.
Combien de temps là? 3 minutes? Ouais, allez. Un demi-plein et ça suffira. What? Je me suis fait surprendre par la sortie des stands. Putain, mais je... Donc en fait c'était plutôt intermédiaire pour finir la course. Bon c'est pas pour la victoire, on bat les couilles. Je fais pas le full or donc je m'en fous. Mais c'était plutôt intermédiaire donc il fallait finir. Et surtout acheter des pneus tendres. Au pire. Oh non, non, c'est mort. Pénible. C'était très amusant jusque-là. Limite, ça aurait dû finir sous la pluie. Surtout qu'en plus, l'IA s'arrête 50 fois. Non, mais si vraiment vous faites le or, c'est pas difficile. Hein. Franchement. Faut juste pas faire comme moi là, d'avoir mis déjà les durs. Les durs pour commencer, enfin sachant que c'est scripté quand tu le sais que c'est comme ça. Tu commences avec les tendres. Tu passes sous la en pluie, eux ils s'arrêtent 50 fois. Et tu finis la course en inter. Ou alors en pneus très tendres. Sans faire d'erreur évidemment. Bon, c'est pas grave, c'était quand même fun. C'était quand même bien, c'était quand même très bien. Le passage sous la pluie, moi j'avais trouvé mon rythme, j'étais tout content, c'était cool. C'est bon, erreur personnelle, je dois tu mettre les inters ou alors acheter des pneus tendres. Déjà, pour commencer. Le problème, c'est que c'est pas spécifié. C'est là le problème. Tu rentres dans la course, le jeu te dit il va pleuvoir hein, à chaque fois. Bon, bah, tu prévois. Tu prévois. Ah, c'est au dernier moment, t'es concentré, c'est ce bordel, et après, bah, tu fais des erreurs, et voilà. Et plouf. Et plouf, bonjour les erreurs. Bon, tant pis, pas grave. C'était amusant quand même. Sigh.
Bon, passons à un défi aspiration. La négative Véronne. C'est vraiment pas difficile comme exercice, franchement. Waouh! Bon, bah tant mieux. Après, moi j'aime bien hein, quand c'est fastoche. Allez, hop, ça dure pas longtemps, c'est fait, ça dégage. Oh, ça devrait aller avec ce qu'on a. T'inquiète pas, je connais ma chère. Merde, putain de tarasse. J'oublie à chaque fois, c'est débile, c'est ma faute. Notre train de faire ça n'a pas l'air d'être non plus rigolo là, avec sa caisse. Pardon? Ok, très bien. Tu veux la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Ta gueule, toi. T'as rien demandé. Je peux pas changer de caisse depuis ici, non? Crotte, toi, alors. Pas logique. Obligé de quitter pour changer la caisse. Ça, c'est moyen. Je suis désolé, c'est moyen. Ils auraient déjà dû mettre une vraie boutique ambulante pour acheter toutes les pièces inimaginables de tout le jeu et changer de voiture facile. C'est pas bien, voilà, c'est pas bien fait, ça par contre, désolé, mauvais point. Bon, alors apparemment c'est pas bon. Bon, alors attends, bah, on va tricher avec ça alors. Ça en démarrage, c'est rapide comme l'éclair, zou, ça dégage. Oula, pénible l'autre là. D'accord. Mais quoi? Mais on va faire comment pour battre ça? Vous m'excusez? Y a un problème là aussi. Si, depuis quand là? Infaisable, hein. Infaisable. Je fais comment là? Tu m'excuses? Je sais que cette merde encore une fois. Ça, c'est ça le problème de ce type de jeu, c'est tu passes un truc facile tout de suite sur Mars. Non! Non. Sois constant. Soit c'est tout le temps facile, soit c'est tout le temps dur. Voilà, je sais pas moi, c'est pénible. Pénible. Bon, putain, mais merde, comment gagner? Je comprends pas.
J'ai pas d'idée là. Bon, on va prendre ça au pif. J'en sais rien moi, c'est n'importe quoi ce truc là. Pénible l'autre là. Hein. Ouais, ou alors j'accepte la défaite, mais il faut savoir sur combien maximum faut perdre. Ça me saoule là. Pas plus de 5 dixièmes, putain, t'es vraiment ce bâtard quoi. Impossible. C'est impossible. Je fais comment là? C'est impossible. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la Viper, mais elle est en mode ultra cheat. C'est impossible, imbattable. Faut un avion littéralement là. Et encore, c'est pas assez. C'est une faut une moto là. C'est impossible. Je suis désolé là. C'est. On fait comment là? Y a pas moyen, j'ai pas plus rapide, hein. J'ai pas plus rapide, hein. Je suis désolé là, je peux rien faire, hein. On va voir si on peut perdre au-delà de, enfin pas au-delà de 5 dixièmes, mais c'est impossible, trop dur, c'est trop dur là. Ça n'a aucun intérêt. C'en est stupide là. Là, je passe pas un bon moment, désolé. Bon ben tout pile. Allez, je prends, on va te faire foutre. Non mais quelle merde, mais quel exercice pourri, nul. Alors là, zéro, hein. Le zéro pointé là. Franchement, c'est stupide. Et puis alors, je suis désolé, la Viper qui démarre aussi. Non. Non. Déjà, faut un niveau extrêmement élevé pour réussir à faire un démarrage sans trop patiner avec une Viper boostée. Ouais. Bon, allez. Ouais. Bref. Peu intéressant. Allez, c'est pas grave. Alors, bon, encore une fois, comme le truc qu'on avait fait avec le pick-up cette fois, je crois avoir vu la voiture, je sais pas, fait attention, hein, je crois qu'on a la Bugatti Veyron. Mais on sait, on sait, on sait, on sait, on sait. C'est ça, c'est avec la Bugatti Veyron le plus loin possible. 8 km 888. D'accord. Le chrono, on s'en fout, très bien. Ça va vous?
Comment ça je consomme de l'essence? Non. Déjà. Arrête de tricher le jeu. Celle-là, c'est génial, c'est tout en descente. Hein, donc, il me consomme de l'essence, le bâtard, regardez. J'appuie pas sur l'accélérateur. Ça, c'est parce qu'il sait qu'on utilise une technique de. Une technique réelle. Moi, ça arrive souvent, ma mère fait pareil. Hein. On est un peu en altitude. Souvent, c'est. On lève le pied, là, en descente, ça descend tout seul et hop. Allez, on va dire parce que le moteur est allumé. Ouais, allez. À la rigueur. Allez, à la rigueur. À la rigueur. Je dois voir que ça l'a un peu. Ah, c'est ultra passionnant. Hein. Là, c'est de la triche, hein. Regardez-moi ça. Faut le descendre. Oui! Attention, ça remonte un peu. Légère pente. Ça remonte. Même pas, faux plat. Hop, ça redescend. Pam 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 la 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 la. Beau paysage, hein. Et malheureusement, faut freiner pour passer le virage. C'est triste, hein, parce que. Mais bon, ça va, on reprend la vitesse, hop là.
Normalement, ça passe. Ouais. Large. Donc toute cette partie est en montée quand même. Plus d'essence. Voilà, allez. Encore, j'ai perdu 0,1% au départ. En fait, t'accélérais pas au départ. Faites rien, vous attendez le zéro et hop, on démarre. Full économie mode 6, boîte de vitesse à fond, à plus haute vitesse et hop. Ah, on va faire de la formule. De la F150. Non, la F1500TA. Oh oh. Ah non, mais c'est la F1. J'ai pas compris, bref, c'est je sais pas, la F1500 ou alors la F1500. Hop, écoute, hein, on va voir. Oula, c'est pas. Vous rigolez là. Vous êtes débile. Ah mais c'est une vieille Formule 1. Oh putain! On a les pneus pluie? Ah on a les pneus pluie! Ah, ça a le bon bruit.
Ah, mais moi je savais pas, moi. Oh là là. Ouais, non, mais attends, il faut que je m'adapte, moi. Je m'attendais à un truc inconduisible et tout le tralala. Par contre, enfin un bruit de Formule 1 d'époque fidèle dans Gran Turismo. Alors, vous dire le V6 Turbo, lequel, bon, vu la skin de la voiture, ça doit être le Renault Turbo. Mais là, ça, le cockpit comme ça, c'était le. C'était pas plutôt Tyrell, ça? Enfin, l'espèce de deux double petit cadran bizarre, là. Il me semble que c'était Tyrell, ça. Et Tyrell, normalement, c'était Tyrell Megatronx. Ou Tyrell Renault. Ah, je crois qu'ils ont eu les deux. Non, jamais eu le Megatron, donc full Renault V6. Bon, au moins, j'ai pas totalement dit une connerie, ça va. J'ai pas trop tapé à côté. Mais il me semble, enfin, normalement, l'espèce de doux petit cadran comme ça, c'était chez les Tyrell. Renault, je sais plus. Pff, ça fait un moment que j'ai regardé les Grands Prix de cette époque-là, donc. J'avais pas trop tapé à côté hein, pour Tyrell Renault V6. Bref, bon, c'était cool. Un tour magique en épreuve Ferrari FXXK de 14. Ah ouais, cette espèce de Ferrari bizarre. Bon, si vous voulez. Hein. Why not? Monza. Ah, ça. On prépare au cas où si elle est inconduisible. Qu'est-ce? C'est un Kers? Elle avait le Kers cette voiture, mais ça servait à quoi? Ça doit. Voilà, ça a pas dû être. C'était un modèle sorti pour la route? Impossible. Elle est jolie, hein. Oh là là. Faut que j'ai le truc. Ah non, parce que là, c'est spécial. Là.
Oh, c'est spécial là. Mon Dieu. Avoir par l'ombre. Ah, on a une pile de kers. Ouais, mais elle tourne pas! Putain! C'est pénible, mais c'est pénible! Mais ta grand-mère, c'est la trajectoire! Je vais le buter! Pénible. C'est tristement pénible, là.
tourne pas. Caisse de merde. Oh là 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 là. Pénible à conduire ce truc. Bon débarras. Non, sympa, mais... Non, mais pourquoi t'es pas le bon bouton? Zut. Et pour finir, mission drift. Oh. Ah! Évidemment, il fallut. Tant pis. Allez. Allons-y, let's go! C'est parti, les amis! Daytona, quelle idée! Quelle idée saugrenue, dis donc! Faire du drift. Non mais. Du drift avec ça! Débile! Ça n'a rien à foutre là! Non mais. Oh les débiles. Passe pas le virage! Tu vas te faire foutre! Topil, allez, va niquer ta mère. Oh, quelle honte. Quelle honte de non fun. Allez ouf. Ôte-toi de mon chemin, Berk.
Vraiment pas amusant ça. Bon, c'est pas grave. Au moins c'est fait. Alors, c'est quoi le cadeau? Ah, bah tiens, tu vois, c'est cool. Bon, ça va. Voilà, c'est fait pour la course. Bon, bah du coup, normalement, les prochaines missions, c'est niveau 19 collectionneur, puis 23. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai un ticket. Apparemment, j'ai un ticket. Bon, allons voir. Quel est cet étiquetto? L'étiquetto. Très étoile. Alors. Le plus gros tas, le plus gros tas, le plus gros tas, le plus gros tas, s'il te plaît. Génial, des pièces inutiles. Génial. Waouh. Fun. Tant pis. café. Livre de collection suivante, cette fois c'est sur les Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alors, la Mito de 2009. La C14 et la C Competizione. Pour ce menu, j'aimerais que vous obteniez des voitures du constructeur italien Alfa Romeo. Les variantes haute performance des modèles Alfa Romeo portent le nom Quadrifoglio Verde. Si. Ça veut dire trèfle à quatre feuilles en italien. Oui, on avait compris. La voiture à obtenir le 8C Competition est la plus puissante, assurez-vous de l'admirer dans votre garage. Vous aurez une récompense si vous parvenez à récupérer les 3, donc revenez quand ça sera fait. Ok. Alors là, par contre, je sais pas comment on peut faire là pour les. On va essayer d'être dans le. Dans le thème, hein, évidemment. Faut voir un petit peu les courses qu'on nous propose en fait. Alors, qu'est-ce que tu nous as chanté cette fois? Clubman 600 Cup. Ouais, non, mais les adversaires 4C, ouais. DS3 Racing. 911 Carrera. Pays, Italie. Ah, on est mal, j'ai que ça sous la main. Bon, alors on va aller voir. On va aller fouiner un petit peu. pp. D'accord. Un showroom, ouais. Non, mais c'est quoi les prix? C'est normal ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Julia GT AM 580 pp. C'est quoi? J'avais pas vu ça, moi, sorti. Ah oui, c'est quand il y a eu la rumeur qu'il devait faire du TCR ou je sais pas quoi, et en fait ils l'ont jamais fait. Avec la Giulia GTA. Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est sympa, mais 220 000 pour ça, grosse blague. What? Eh non, mais les prix, ils les ont abusés, ça c'est parce que bah, voilà, le pognon, tu le gagnes gros comme le poing. Hein. Non mais pas voiture de légende, pourquoi je clique là-dedans? Mais... Ah! Mais... Hein? Me taper la tête contre un mur à ce rythme-là. Putain, voiture d'occasion, c'est où? Là. D'accord.
Mais j'aime bien, ça, on doit les gagner, pourquoi nous les faire? Attends, non mais t'as vu les prix, mais c'est... c'est abusé, j'en ai marre. Putain, il n'y a pas ce que je cherche, il n'y a jamais rien. C'est quoi ce truc? Sert à quoi? Putain. Bah tant pis, on va aller comme un gros roubou de service, on va aller acheter l'espèce de Julieta à GTA là, à 200K là, ça. Complètement stupide, mais bon tant pis. Apparemment pas le choix d'être un gros pigeon si on veut être dans le thème. On bat les couilles de toute manière, je changeais la couleur avec un skin alors. Bon, après s'être fait arnaquer pour acheter cette voiture. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour justifier une telle honte monétaire. Évidemment. Bah, quoique, on peut avoir. Oui, il y a les skins. Ouais, mais ça. Encore ça, peut-être. Ou ça. Bon, évidemment, on va prendre le skin de la GTA, enfin de la G155. Allez. Bon, alors, on applique ça et puis on va aller, je sais pas, mettre quelques bricoles, les pneus, évidemment, et quelques trucs. Normalement, on devrait être aussi 100 pp, je pense, facilement. On est déjà, je crois, assez élevé, donc ça devrait pas être trop dur. Hein, pas être dans le truc. Alors maintenant, on va aller rendre visite à Rupert. On est déjà à 626 pp hein, quand on met dans les pneus. Grosse blague. C'est où déjà le... C'est dans le club. Ouais. Au cas où si c'est trop facile. On a juste mis les pneus, hein. C'est triste. Hein. Ah mais attends, mais vous avez vu la puissance de notre truc? Ah mais je comprends mieux maintenant en fait pourquoi elle fait ça, plus de 500 chevaux le bousin. Lol. Ouais, je comprends mieux maintenant. Bon, on va voir sur la première course. Hein. Ok. Bon allez, direction Brands Hatch. Pour obtenir la première des trois voitures. Pour obtenir la Mito de 2009. Moi, je suis Alpha, voilà, à part là, la GTA AM, que j'avais totalement zappé. C'est vrai qu'elle a l'air très très sympa comme voiture.
Après, évidemment, bah, il faut creuser plus loin dans le temps et la 155, hein, évidemment. Voilà, hein, je ferai pas dans l'originalité. Après, bah, aucune alpha me plaît. Y a que ces deux-là. Enfin, encore la première là, que je vous dis, la GTA AM, là, c'est parce que j'ai totalement zappé cette histoire, mais c'est vrai que cette voiture. Il y a des Guntach et des machins, je suis peut-être pas hors sujet. Ouais. Ah, on a la petite classe comme ça. Thank you.
Bon, très sympa. Un peu étrange, bruit un peu étouffé, mais c'est sympa quand même. Alors, la deuxième course en Alsace. J'en avais que quand même 3 secondes d'avance, donc c'est pas non plus phénoménal, mais bon, voilà. Alsace version village. Pour obtenir la 8C Competition. Par contre, on va faire une pause pipi. Du coup, je vous dis à tout de suite, les amis. Ben voilà. Allez, on repart.
Deux secondes, désolé. Ouais. Ah. N'importe quoi. C'est triste, j'arrive pas là. Je vais ce virage. Mais bon, au moins on avance. Alors, troisième et dernière course, Italie-Sardaigne.
Voilà. Sardaigne une piste dehors. Course. Eh ben, il est long le circuit. Thank you.
Bien, ben voilà qui est fait. Allez, on a fait une livre sur les Alfa Romeo. On retourne au café. Pas mal. L'une des marques les plus anciennes en Italie est Alfa Romeo, basée à Milan. Fondée en 1910, elle existe depuis plus d'un siècle. Waouh, on avait compris. On est lui aussi entré dans l'histoire. Combinant la croix de Milan et le serpent, symbole de la maison Visconti. Il n'a pas changé depuis ses origines. Bah, heureusement. En 1911, Alfa Romeo participe à son premier Grand Prix, avec d'autres constructeurs internationaux. Dans les années 20 et 30, la marque a gagné plusieurs courses et championnats. Depuis, elle a produit plusieurs sportifs de légende qui reprennent les performances de ses voitures de course. Et Alfa Romeo a bien sûr perduré cette tradition encore de nos jours. Ouais, en Formule 1 jusqu'à 2026. Utilisez expérience du circuit pour en savoir plus sur un circuit. D'accord. Lors d'une course, attaque au tour sur Dragon. Maintenant que vous avez de puissantes voitures européennes conçues par BMW et Alpha, j'aimerais que vous participiez au championnat d'Europe. Je crois que vous n'avez encore disputé aucune course là-bas. J'espère que vous ferez plaisir. Allez dans le circuit mondial, puis sélectionnez Dragon Tail Jardin en Europe. Faites un tour en mode expérience de circuit pour vous familiariser avec le tracé. Obtenez le bronze ou plus lors d'un essai pour terminer ce menu. Maîtriser les pistes grâce au mode expérience du circuit constitue le meilleur moyen de gagner des courses. Livre des menus numéro 24. D'abord le ticketto. Ticket 3 étoiles. Vous ouvrez la voie à votre collection de voitures Tiguan. C'est le manège ultime de votre progression en tant que collectionneur. C'est aussi l'endroit pour lire les informations intéressantes sur les voitures. Oui, d'accord, ça on savait. Thank you.
Jardin. Ah bah en bleu. Premier 500 000. Tout le bronze 200 000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Secteur 1, ah d'accord. Avec la RCZ d'un groupe 4. Il faut que j'ai le véhicule. Je suis désolé là, c'est. Premier tour de roue avec, je sais pas comment on fait, quoi, où, qui, que, quoi, qu'est-ce. Non, 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 non et non. Ok. Secteur 2. Secteur 3. Secteur 4.
Et cette fois, on fait tout le tour. À l'intérieur. Tranquille. Félicitations, vous maîtrisez vraiment cette course. Vous obtenez tout le bronze, 200 000. Tout l'or, 500. Ok, c'est quoi c'est. Non, mais c'est du. Wow! D'accord. En gros, c'est la technique pognon. Non, bah alors, ça, du coup, on les complétera, je pense. Peut-être en dernier, j'en sais rien. En premier, je sais pas, on verra. Hein. On finit d'abord les menus, je pense. Dans l'idée, c'est de finir les menus plus les missions. Puis ensuite, je pense qu'on fera les expériences circuit, puis on finira par les courses normales, tranquille. Parce qu'il y a aussi les contre-la-montre à faire, je vois ça. Est-ce que c'est rémunérateur ou pas? Il y a les défis drift aussi à faire. Voilà, c'est genre ça, plus ça, plus ça, je pense. Enfin, ça, c'est sûr. Là, ça, je... Ah non, c'est genre tu fais ce que tu veux, d'accord. Ok, bon, inutile et inutile, ok, très bien. Donc il y aura ça à faire, plus les courses ensuite, d'accord, très bien. Okie dokie. Bon, bah c'est bien. On va aller activer, voilà, le livre accompli. Vous avez réussi, bien joué. Je suppose que vous avez commencé à maîtriser le circuit de Runtail Jardin, oui. Je vous préviens, je vais maintenant vous demander de participer à un championnat, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié votre récompense. Tenez. Championnat d'Europe. Comment avez-vous trouvé votre course d'entraînement sur le Glumtail Jardin? Plutôt pas mal, non? Il est maintenant pour vous de vous attaquer au championnat d'Europe. Votre objectif est de finir dans les trois premiers au classement général, bon courage. BMW Aston Martin Porsche Renault Zut Alfa Romeo
championnat d'Europe de voiture de con. Pardon. Ah, ça, c'est du teaser, ça. Bon. Ça, c'est de la bande-annonce. Hein. Ah, putain. Voiture. Là, genre, tu pouvais mettre sur le fond. En gros, voiture. Le film. Bientôt sur vos écrans. Et bientôt au VOD. Bon. Du coup, championnat d'Europe. Bah, on va pas trop se casser les papates. Hein. On va garder notre Giulietta GT1. Enfin, je sais pas, ça dépend de comment ils ont construit le truc. Faudrait voir quand même. Faudrait voir nos adversaires, la tronche des adversaires qu'on va avoir. Alors, des Mercedes, c'est. Ah, bah, en fait, oui, c'est exactement les mêmes adversaires à 600 pp. Voilà, ils ont. Ok, très bien. Les pneus. Il n'y a pas de restriction sur les pneus. Non, pas de restriction sur les pneus. On a des sports tendres. Hein, bon. Bah allons-y, let's go, c'est parti les amis. Hein. Écoutez, European Championship Course 1. Dragon Trail. 3 tours. Vu les caisses adverses, je pense qu'on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, on peut y aller comme ça. En fait, j'ai jamais cliqué sur ça, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux? C'est mon père qui m'a appris à piloter. Est-ce que je vois quelqu'un? Quelle question, Gran Turismo, bien sûr. D'accord, et lui? L'Alpine A110, c'est une voiture de sport légère, à moteur central et à empattement réduit. Quelle machine sublime! Elle offre tout ce que je recherche dans une voiture, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la préparer un peu. Ouais. C'est bien. En avant les enfants. Ta mère, j'en ai marre.
freine pas comme ça dans le virage. Ça va, pas trop bel hélicoptère. La victoire numéro 1. Course suivante. Urban Championship course 2. Monza. Lopez Hunter, est-ce qu'il me plaît dans la M4? Bonne question. Sa puissance bien sûr, mais aussi son habitacle spatial, ils sont vraiment cool. Hunter, enchanté, je suis Aiden Hunter. Ingénieur de piste, non je rigole. Ma voiture préférée est la Lancia Delta HF Integral Evo. J'adore la vision de Giulialo. Ouais d'accord. Je prévois la mienne spécialement pour cette course. Connard. Allez, on y va.
Bah oui, mais enfin bon, je peux pas plus freiner que ça. Après, je marche à côté de la voiture là. Victoire. Allez, troisième et dernière course. Circuit Nürburgring. Rubilar. Coque Lopez est aussi fan de BMW, on est deux grands rivaux sur la piste. Voilà. Alors, sûrement une voiture plus neuve que ma M3, mais mes talents me permettront de gagner comme toujours. Lol, bien sûr. Vous avez zappé que je suis là en fait. On est obligé à l'appui pour la dernière course.
Yo, bienvenue à toi. Écoute, moi ça va, comment toi vas-tu? Comment tu vas? C'est peut-être plus français. Bon. Toi. Perdu. J'irai voir, mais c'est pas sûr. J'irai voir d'abord. J'irai voir. Voilà. Moindre des choses. Je vais faire un tour. On verra. Très bon jeu, oui. Jusque-là, franchement, par quelques petits points dérangeants, un peu quelques manques d'explications sur certains moments. Il te fait des surprises, Motherfucker. Mais bon, après, quand t'as compris comment ça marche, ça va. Mais sinon, à part ça, c'est cool. Aucun problème. Après, c'est un Gran Turismo, donc. C'est un jeu tous les X années, donc ça va. Hein. À part être tatillon et de mauvaise foi, c'est toujours des bons jeux. Hein. D'accord, non mais le freinage intempestif. Bon, l'IA s'est un peu amélioré, mais bon, elle fait encore des freinages un peu bizarres. Pas assez concentré la chicane, c'est pas grave. Je pense qu'on va commencer à être un peu embêté par la flotte. Tant mieux si ça va, c'est le plus important. Finalement, on n'a pas été emmerdé, c'est une pluie gentille. C'était juste pour nous faire peur. Ouais. Bon, allez, ça c'est fait. Le pognon et un trophée dégueulasse. Ah. Ploum, ploum, ce sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. Ah, bah voilà, la meilleure. Merci. Une bonne grosse challenger. 306 points d'un coup.
Alors, deux petites secondes, les enfants. Alors. Retour au café. Aurais peur, mon capitaine. Bien joué, vous avez remporté le championnat d'Europe. Non. Votre récompense vous attend à l'endroit habituel. Livre numéro 26. Collection Ford. Focus RS 18, Focus GT 06 et le F-150 SVT Raptor. Pour ce menu, nous allons nous concentrer sur l'obtention de voitures produites par Ford. Ford est la première entreprise au monde à avoir produit des voitures de série. Oui, les Ford T. Et son histoire s'étale sur 120 ans. Waouh! Ces trois voitures possèdent toute la puissance attendue d'une machine américaine. Collectionnez-les. Revenez vite. Et livre de menu numéro 26. Ford. Un magnifique gros plan d'une table en bois. Qui mériterait un petit coup de... Bon. Ford. Avons-nous de la Ford? Ah oui, qu'est-ce que je suis bête. De la Ford, on en a. Mais on va quand même changer un peu. Je suppose que ça doit être du 500-600 pp à peu près, évidemment. Attends, je vais quand même aller voir. Avant de faire une connerie, me connaissant. Monsieur bêtise. Suspense. America, fuck yeah. Pick up take a bat. Ah bah tu vois, en fait, il fallait bien regarder parce qu'il demande du pick up. Voilà, c'est, t'as le droit entre Picup et qui est Picup. D'accord? Parce que Picup ou Picup, hein? Ah bah heureusement que tu le dis, connard! Agent dépôt. Bon, on va aller acheter le Tundra, hein. Tant pis, on sera hors sujet, mais pas le choix, parce que... Attends, c'est peut-être des trucs différents, non? Attends, deux secondes, là, fais voir un peu. Ah non, Picup Race, tout le long, d'accord, ok, Picup Truck, ok! Ok! Ils savent qu'il y a le Chevrolet Silverado ou alors ils l'ont pas mis? Non! Vous avez pas mis le Chevrolet Silverado? La honte! Bon alors. Bon bah ouais, voilà. Pap America! Ah mais non, mais oui, c'est Tundra, c'est Toyota. Le voilà. Toyota Tundra TRD Pro. Bon, de toute façon, on va changer la couleur, donc bah les couilles. On va lui mettre un joli skin. Bah, j'hésite, vu que c'est un gros pick-up quand même. Bon, soit on lui met un truc NASCAR, ou alors c'est quoi qui peut correspondre? Ils viennent de sortir le machin, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment connu. Bon, on a le niveau 19, on ira faire les missions après la collection Ford. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, V8 Super Ute. Parce que c'est con, en Australie ils ont supprimé à l'époque la catégorie Super Ute pour mettre des pick-up V6 Turbo Diesel. Flop total. Et deux ans après, le retour des V8 Super Ute avec les mêmes pick-up qui était utilisé pour la version diesel, sauf qu'ils ont enlevé le moteur turbo diesel V6 pour refoutre un V8 dedans. Et là, ça marche mieux. C'est marrant. C'est logique. Mon Dieu.
Ouais, ils ont pas. Juste évite. Non, bon, on va se contenter de NASCAR alors. Hein. Voilà. Alors, on a quelque chose qui correspond à quelqu'un qui fait de la Truck Series. Quelle bouche, Yahoo Tundra. Il est noir le pick-up. Matt Crafton, voilà, parfait. Sauf que je crois que lui c'est un. C'est pas un Chevrolet normalement, lui, ou Ford. Normalement, ouais. Oh, enfin, c'est pas grave. Hein. Au pont, on en est. Voilà. C'est déjà quand même mieux, et en plus jaune. C'est cool. Bien, ceci étant fait, on va aller rendre visite comme d'habitude à Rupert. Alors, déjà, hop. Ensuite. 511, putain, ça file vite. J'ai même pas augmenté la puissance. Au cas où. Voilà, franchement, j'ai juste mis des trucs, mais genre tout bête, hein. C'est même pas, j'ai augmenté la puissance. Hein. Enfin. Bon, après, du 450, franchement, ils sont pas un peu cons. Ils auraient quand même pu mettre un truc plus costaud quand même. Enfin, on va voir. Hein. S'il faut, on va se faire dépasser, mais ça va être incroyable. C'est genre Achoum. Bref, eh ben on est radis, hein. Allez, let's go. A pickup truck race. Willow Springs, you know, Thompson Race, man. Big Willow. Pour avoir la Focus RS 18. Ça va. Ça va encore, franchement, comme voiture, ça va. Ça va. Ça va. Ouais, c'est cool. Et bah c'est parti hein. Ouais, en plus les autres mettent des skins et tout donc. Ouais, je connais la pub Menards. Ouais, bah, c'est facile quand tu regardes de la NASCAR, au moins ils te la foutent souvent. Surtout quand c'est les courses d'Arca, vu que c'est le sponsor titre. Pardon.
Dommage que dans ce Gran Turismo 7, à un moment, bon, je pense qu'on a débloqué tous les circuits, hein, presque. Hein. Ils n'aient pas mis le retour de Seattle, le légendaire tracé de Seattle. C'est dommage. Oh, c'est pas tôt, mais bon, c'est cool, ça va, c'est sympa. Bah. Non, elle est sympa, faut le dire. Colorado Springs, aussi course sur terre, donc faut acheter des pneus de terre. C'est parti. Colorado Springs, lac. Vous avez pas encore vomi sur l'écran.
Bien. Bon, c'était fun. Ça va. Allez, un peu de Nasocar avec des gros pick-up.
connais le draft. Pénible. C'est un peu le bordel parce que là, ça va être pénible là sinon. Voilà. Yes. Putain, quel bordel. Bon, on est arrivé. La jolie Ford GT. Et puis après, on va faire quelques missions avant de se quitter. Voilà. Alors, café. Jolie photo dans le Corse Crew à Laguna Seca. Ah si, si, il doit nous faire des explications, pardon. Livre des manuels numéro 26, collection Ford, complété. Ford est l'un des principaux constructeurs dans le monde. On lui doit des sportifs de légende comme la Ford GT, avec un coup de pouce de Shelby, hein, quand même. Bon, c'est pas grave. Des pick-up populaires comme la F-150, mais aussi des sportifs à haillons comme la Focus en Europe. En résumé, Ford a produit toutes sortes de voitures. Et les premières voitures apparues à la fin du 19e siècle et changèrent rapidement le monde. Oui. Ford participe activement à la révolution en proposant la première technologie de masse. À l'époque, peu après l'invention du premier modèle. Les voitures étaient fabriquées l'une après l'autre, les ouvriers se déplaçant sur chaque modèle. En 1908, Ford créa la première ligne de production. Les voitures avançaient devant les ouvriers statiques. Et oui, incroyable, hein. La production de masse est née et les prix chutèrent de façon spectaculaire. L'une des voitures fut la légendaire modèle T. 15 millions de modèles virent le jour en 20 ans. Ce système est pour nous évident, mais c'est bien à Ford que nous le devons. Eh ouais. Enfin, précisément à Henry Ford. Enfin, ça c'est fait. Bon. Quelques petites missions et puis on s'arrête là. Let's go. On a débloqué les missions niveau 19. Mission 19 qui s'appelle The Sun Also Rises. Ouais. Dépassement en course à plusieurs classes 3. J'ai l'impression que c'est une proto. Donc ils appellent ça comment, groupe 2 et après groupe 1, non, je pense.
Laguna Seca. Groupe 1, carrément. La SRT Tomahawk. Oula. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Avec un moteur de Lamborghini V12. Mais je vais attraper. J'en ai marre. Méchant jeu. Méchant. Ah ouais, mais il me revient dessus. Et ouais. Ta mère. Ah, il est pénible. Il est pénible. Très sympa comme voiture. J'aime bien. Cool. Le Mans 24 minutes. Quelle heure il est? Ouais, ça passe. Attends, 20, ça fait... Non, c'est trop. On gardera ça pour demain, pour lundi. On va faire des ficonales. Kyoto Driving Park. En Swift 200, oh là là. Bah mais ça fait lever la voiture. Ce qui est logique, hein, quelque part.
Comment ça, il m'en manque un? Non, mais c'est une blague. Non, mais va crever. Où est-ce que je... Je sais même pas où est-ce que j'en ai pu en louper. Non, mais j'en ai plus plein. C'est de la merde! C'est de la merde ton exercice! Putain, voilà, c'est dit. Je hais les défis cônes. Ça n'a aucun intérêt. Alors, désolé, faut essuyer l'œil parce que sinon après ça pique. Ah, pénible! Putain de ta mère, casse-toi avec ton exercice de con. Hein. À l'enfer. Bref, allez, c'est fait. Course Dragster, encore? Quand même. Évidemment, c'est pénible. C'est pénible, mais ils font chier à chaque fois de trouver un truc encore plus cheaté. C'est pénible. Je te dis que c'est pénible, putain. J'ai pas d'idée là. Qu'est-ce que c'est pas amusant. Surtout quand on te prévient pas, que tu puisses pas changer la voiture plus vite. C'est ça, c'est le mauvais point. Triste, c'est un exercice qui doit se faire vite. Non, c'est l'enfer
Parce que tu dois choisir la bonne voiture. Parce que connard, fais chier. Je sais pas, moi. Tu me saoules avec tes conneries. C'est incroyable. Pénible, cette merde. Je sais pas quoi choisir, c'est le problème. Ils font chier. Rester sur un truc simple et faisable, non, c'est trop demandé. Non, non, faut que ça soit casse-pied. Si c'est pas casse-pied, ça ne les amuse pas. Je ne peux pas, je fais comment, con de ta mère? Ah, je vais la rétamer. C'est pas possible d'être aussi con. Comment je fais? Je suis censé faire comment, débile? Putain! Tristement pénible, cette merde. De mettre les pneus courses parce que peut-être que ça peut aider les pneus courses avoir plus de grip au démarrage. Je sais pas, moi j'en sais rien, j'essaye des trucs donc ils sont pénibles avec leur cet exercice moisi qu'il en peut plus. Oh non, 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 non. J'ai même perdu 2 dixièmes avec des pneus de meilleure qualité. C'est vachement super logique, espèce de connard de merde. Pénible, 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 pénible. Non, la meilleure option, c'est la voiture de rallye, mais il faut surbooster parce que... Débile, 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 débile. Désolé, mais ça m'énerve quand ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Mettez une voiture en fonction de l'adversaire, comme ça au moins, bah, je sais pas, même si on doit pas forcément gagner, au moins on s'énerve pas. Je sais pas, logique. Logique? Non, chez eux, logique, ça n'existe pas. Doigt cul fait avion. Thank you.
Putain, je plafonne. Putain, je plafonne. Non, mais pas rester comme ça, débile! Oh, mais réfléchis un peu! Oh, qu'est-ce que c'est pénible quand c'est con! Merde, j'avais changé voiture, pardon, excusez-moi. C'est ma faute. Bon alors. Hein? Mais. Hein? Mais. Mais. Hein? Mais. C'est une voiture de cool, normalement, c'est tout obligatoire! Mais. Non, là, c'est de. Là, c'est de la. Là, c'est de la fainéantiserie, la polyphonie. C'est de la fainéantiserie. Normalement, la boîte de vitesse modifiable, ça doit être de base. De base, de base, de base. Incompétent, pardon. Je retire. Mais imbécile, ouais, voilà, plutôt. Je remplace par imbécile. Ah, mais quelle bande d'imbéciles! Ils réfléchissent pas, mais putain! Alors, transmission entièrement personnalisable. Voilà, merci. Fumier. Attends, c'est pas assez parce que l'autre il nous a cassé les boules. Attends, 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 attends. Bah les couilles. Fumier, il veut la guerre, il veut l'avoir. Ah, faut de moi, j'ai aucune pitié avec les bâtards. Enfin, est-ce qu'on peut au moins. Ah merde, putain, deux courses. Pourquoi je. Bah les couilles. Sérieux, je peux pas mettre une ultra puissance supplémentaire. C'est quoi, j'ai envie de foutre le. Pas les couilles. Il veut m'emmerder, je vais l'emmerder aussi, tiens. Espèce de bouffon. Ouais. Tu vas comprendre ta mère, tu vas rien capter. Là, ça sera comme le truc là, c'est. Trop tôt. Allez hop là, ciao. Fumier. Non mais, vous avez vu le pognon mis juste pour un pauvre exercice débile. Franchement, mais quelle honte. Mais quelle honte. Alors. Je plafonnais à 260, donc on va mettre 320. Oh, on commence par ça. L'exercice, je devais l'empiler en les doigts dans le nez, et voilà, non. Bon, allez, encore un essai ou deux, et puis après on arrête pour aujourd'hui. Dommage, hein. Non, mais bon, je comprends pas pourquoi faire ça. Enfin, on va dire que c'est l'exercice qui réveille. Sérieux? Je fais comment là? Bah ouais, mais t'étais pas logique, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, puis. Non, c'est 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, j'y arrive pas, je suis désolé. Je vois pas comment je peux faire. C'est genre perfect, hein. Waouh. Il est le fun. Non, nul.
Non, mais j'y arriverai pas. Personne n'y arrivera, c'est pas faisable. C'est quoi ça? Mais ils ont fumé, les cons. Mais ils ont fumé. C'est pénible. Ça n'a aucun intérêt. Je vois pas comment faire mieux là. Il y a aucune solution là. Aucune, 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 aucune. Voilà! Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non, mais sérieux, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Franchement, zéro, hein, c'est nul. À jeter à la poubelle, tout de suite. C'est même pas modifié. Non, 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 poubelle. Au tri sélectif. Allez, hop. Bref. Bah, écoutez, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. L'enfer. Non, franchement, ce dernier exercice, vraiment pas retenir. C'était nul. Quand même, course d'endurance. Bon, finalement, la deuxième, ça va. C'était fun, malgré les erreurs, machin chouette. Mais ça va. Mais il y a des trucs. Les cônes, aucun intérêt. Ça, aucun intérêt. Enfin, alors, quand c'est bien fait, oui. Mais quand c'est mal fait, non. Là, c'est mal fait. S'ils te mettent des voitures à affronter, c'est n'importe quoi, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci à vous toutes et tous d'être passés aujourd'hui. Voilà, hein, on a bien avancé quand même. Voilà, c'est cool. Ah, ça va. Bon, je vois quand même comment que ça se passe. Ouais. D'accord, non, ça va, c'est cool. Bon, bah du coup, merci d'être passé et tout. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était super sympa quand même. Bon, on met de côté les trucs pas drôles. C'est pas grave, voilà, ça nous a un peu énervé, un peu réveillé, etc. Bon, c'est fait, allez, ça dégage. Bon. Du coup, bah lundi, on aura du pain sur la planche pour la nouvelle semaine. Il faudra faire le 24 minutes là, je sais pas quoi. Ensuite, on aura bah, les autres missions à faire. Et puis, bah, on continuera gentiment les courses comme d'habitude. Merci d'être passé encore une fois, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un très bon week-end, et on se retrouve lundi après pas mal de choses, il y aura tellement de trucs ce week-end, donc il y aura de quoi raconter lundi. Allez, bon week-end à vous, et
Ciao.